Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dame477, je suis très très heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur les Sims 4. Donc aujourd'hui nous allons sur une vidéo de challenge tourner le cinquième épisode du Legacy Challenge. Donc c'est celui-ci comme vous le voyez, c'est un autre que je fais hors cam, voilà, qui est un peu plus avancé bien sûr. Et sur un concept tout à fait différent. Bon, bah, je vous expliquerai peut-être ça lors d'une prochaine vidéo. Donc là, celui que je vais tourner est le cinquième épisode et le premier que je tourne depuis le mois de novembre, il me semble, octobre-novembre, puisque tous ceux que je viens de vous mettre en ligne ces derniers temps sont des épisodes que j'avais tournés il y a maintenant quasiment 6 mois, il me semble à peu près. Donc, c'est vrai que j'étais pas mal absente aussi. Aïe! Ah oui, mince! J'ai fait le tri dans mes téléchargements, j'ai pas pu remettre, il a plus de lit! Aïe! Au moins un élément! Oui! Merci! 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 Merci beaucoup! Bon, je pense pas que... Ben oui, mais c'est chiant ça. Je vais perdre des sous. Qu'est-ce que je fais? Ah là 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 là. Parce que j'avais acheté un lit. Il y avait un lit double. C'était pas, somme toute, pas trop cher. Oh là là. Oh là là. Je vais perdre des sous. On a déjà pas de mur. Alors qu'est-ce que je fais du coup? Je fais une tente. Du coup, bon, ça oui. Il n'y a pas de bureau, toujours pas. Chambre. Voyons les lits que j'ai. Ça risque d'être cher, de coûter une fortune. 345. Ou un lit double coussin d'air. 345, ça peut encore aller. 4 et soulagement du stress. 1. Encore trop cher. Faut vraiment que je retélécharge. Oh, celui-là encore moins. Cool. Non, non, on va prendre un lit comme ça. Voilà. 300 simflouz. Allez hop. Noir. Non, on va prendre ça. Ce qui suivra le plus. Ça m'embête. 1142 simflouz. D'accord. Bon, on va faire comme si. Ouais. On va remettre les 1142 simflouz parce que là c'est il l'a acheté, c'est pas de la triche. Contrôle mage C, testing sheets on, hop là. Donc à la place de on, on peut mettre true aussi, true. Alors que je me souvienne, MONEY 1142, juste les fonds, comme vous le voyez, hein, ce code là fonctionne. Hein, bon, je sais que Mika a dit que ça ne fonctionnait pas, mais il avait dû. Parce que je regardais dernièrement une de ses vidéos et il avait dit que c'était un code qui ne fonctionnait pas et qu'il comprenait pas pourquoi. Donc j'espère qu'il lira le commentaire parce qu'il dit qu'il les lit tous, excusez-moi, j'ai arrivé. Mais parfois j'ai pas l'impression qu'il les lise vraiment tous. Parce que plusieurs fois je lui ai donné la solution à quelque chose et apparemment, voilà. Enfin. Bref, je suis pas là pour faire la descente. J'ai Mika, j'adore. Garry's cool, enfin bref. Je suis ses vidéos, toutes ses vidéos, que ce soit sur les Sims 4. J'ai vu toutes ses vidéos Sims 3 depuis que j'ai découvert sa chaîne. Voilà. Donc, du coup, j'aime bien. Voilà. Mais bon, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il lit pas tout. Puisque voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais faire. Donc ceci étant fait, cette parenthèse étant refermée,
Nous allons partir sur le mode vie. Donc, je sais plus trop. En parlant de ça, le quatrième épisode, je vais le mettre en ligne tout à l'heure. Donc, ben voilà. Donc, celui-ci, donc, il a tout pour avoir une promotion, sauf qu'il a pas. Bon, il a faim. D'accord. Il est quelle heure? Quel jour? Samedi. Et il travaille dans 3 jours. Oh oui. Bon, il travaille dans 3 jours. On est samedi, il est 8h58. D'ailleurs, t'es où? Ah, tu fais ça. Bon, est-ce que j'ai quelque chose? Ouvrir. Macaroni au fromage, non, pas trop le matin. Donc, tu vas prendre le petit déj. Non, on va pas dépenser, on va garder, puisque ce serait bien qu'on ait des murs. Non, je sais plus. Manger repère. Des céréales. Nous récolterons ensuite. Tu es où? Donc, oui, je disais. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, d'accord. Et celle-ci? Non, mais et. Creuser. T'es parti où? Et mec? Bon. T'as oublié celle-là? Lucas, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es où ton nom? Il me semble que c'est Lucas Gallagher. Oui, Lucas a déterré une capsule. Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est vrai qu'entre tous mes challenges et tout ça, des fois, je m'y perds dans ces prénoms. Voilà, mais bon. Ça veut pas dire que je les oublie et que voilà. Oui, du coup, ouais, je voulais vous dire aussi que je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et à regarder à regarder mes vidéos. Et vous commencez à me laisser des petits coms. J'en suis très très. Bon, je fais de la. Je fais des bêtises, je suis désolée. J'ai dit manger un repas rapide, c'est réel. Ça coûte rien. Non! Oh là là, désolée. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et de vos encouragements et tout ça. Et je tiens à remercier tout particulièrement Mumi Nanou, voilà, qui m'a laissé un comme vraiment très très mignon, très très gentil. Donc voilà. Donc un gros bisou à toi, Mumi Nanou, et continue à regarder mes vidéos et à me laisser tes commentaires. Je tiens aussi également à faire une petite dédicace à Jenny Bailly, ou je sais pas Bailly, ou je sais pas comment ça se prononce. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Voilà, et à Florence de Coupigny également, qui est une abonnée récente aussi, mais qui a déjà partagé la playlist de mon Deadly Weddings Challenge et comment dire, facilitant ainsi la recherche nettoyée, la recherche parmi les autres abonnés. On voit enfin ma. Enfin, je m'embrouille, excusez-moi. Donc, on arrive enfin à me trouver pour le Deadly Wedding Challenge. Je vais y arriver. Parce qu'elle a partagé ma playlist. J'ai compris pourquoi. Parce que certains d'entre vous me disaient que j'étais pas trop visible dans les recherches et pensaient que c'était dû à mes titres qui n'étaient pas assez explicites et tout ça. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. Donc c'est à vous de partager mes vidéos si vous les aimez. Je vous y encourage fortement pour que je sois plus visible aux yeux des autres quand ils font une recherche sur un legacy ou sur un baby challenge. Voilà, il faut partager les vidéos pour que qu'on me trouve plus facilement. Voilà. Donc sur ce, la parenthèse, je la referme et puis nous allons. Bon, il te faut combien de temps pour boire? Et nous allons nous occuper de Lucas. Donc, lors de la vidéo qui va sortir tout à l'heure, je disais à la fin de l'épisode que nous allions nous concentrer donc de lui trouver quelqu'un lors de cet épisode.
Je vais essayer aussi de ne pas le faire trop long car après ça met énormément de temps. Non, acheter un microscope. Non, du tout, je me suis gourée. Qu'est-ce qu'il veut? Acheter une piscine qui fait au moins. Non, désolé, pas pour le moment. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Trouver un nouvel objet à collectionner, ça c'est. Ça c'est du possible. Alors, avant ensuite, t'as que 485 points, tu veux embrasser quelqu'un. Donc, ouais. Et t'as envie d'aller aux toilettes. Bon, nous allons aller à la salle de sport. Trouver quelque chose. Y a pas un petit truc à récolter dans le coin. Please, please, please. Si. Ça. Creuser. Cool. Bon, tu vas te dépêcher et après on ira à la salle de sport ou à la bibliothèque pour les toilettes. Toi, la bibliothèque. Ok. Trouver un objet, il faut peut-être ouvrir. Peut-être. Ah, voilà, ils sont pas obligés. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais non, une piscine, non, bon. Je t'ai dit que c'était pas possible. Donc voilà. Du coup, je voulais voir en vitesse dans tes relations sur poche. Je suis désolée, je parle beaucoup, beaucoup. Ah oui, mince! Elle a plus de cheveux. Celle-là, c'est qui? Aurélie. Ouais, bon. Si on la recroise, on va la relooker, la pauvre. Elle va pas rester comme ça. Ouais. Bah lui aussi, je crois qu'il a perdu ses cheveux. Aurélie. Ouais, ça devait être une coupe que j'avais téléchargée. Bon, j'y remettrai après les avoir testées. Mais c'est vrai que ça demande énormément de acheter un bain remous. Ouais. Ouais, mais on va mettre. Non, genre, il faut d'abord avoir des murs. Mais j'achèterai un bain remous avant d'avoir une piscine, effectivement. Acheter une douche et une baignoire. Alors ça, je veux bien, parce que ça va être possible. Voilà, bon, ben, nous y allons. Nous verrons bien. Et je pense. Attendez, attendez, attendez. Je voulais. On va se déplacer. On va aller à la bibliothèque, puisqu'il n'est pas sale. Il a juste besoin de divertissement et de. Et pour son boulot, il faut qu'il programme un peu. Donc, on va s'en occuper. T'es où, mec? Bon, très bien, ça part. Donc, aujourd'hui, au programme, nous allons essayer de lui trouver une petite amie, tout au moins une colocataire. Ah, afin qu'il fasse connaissance, comme je l'ai annoncé plus ou moins dans mes épisodes précédents. Donc, nous allons à la bibliothèque. Bibliothèque, j'ai dit. Et nous allons nous occuper encore pour qu'il ait une promotion dans son boulot à la prochaine journée, puisqu'il est très proche d'en avoir une. Voilà. Donc nous allons programmer aussi, faire sa tâche du jour, et puis, ben voilà, hein, si c'est possible, lui faire rencontrer sa chérie. Voilà. Ensuite. Ben, nous essaierons dans le prochain épisode de lui construire des murs, de lui mettre des murs et pourquoi pas une salle de bain et une cuisine. Non, la cuisine là, autant pour moi. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Une petite salle de bain, il aura la chambre, enfin tout un simili de chambre. Voilà, donc parce que la belle étoile, je vous avouerai, c'est bien un moment, mais bon, là ça fait quand même 5 épisodes. Et il faut peut-être penser. Alors, voyons, qui y a-t-il? Donc, il y a notre chère Juliette Bernard. Oh, mais elle est vieille, elle est adulte. Oh là là. Juliette Dupont, tiens. Mince, la bibliothèque, non. Fais voir la tête que t'as, toi. Elle est un peu foncée, mais bon, ça peut faire des enfants métis. Bon, à part sa coupe afro qui est un peu. Mais on pourra lui changer. Est-ce que t'as de beaux yeux? Regarde-moi. On peut toujours. Et après. Je crois qu'elle allait marier. C'est qui déjà?
Elle est adulte. Non, Juliette Bernard. Relation. Est-ce qu'elle est? Sophie. Ah, voilà. Inconnue. Ainsi, conjointe de Laurent. Ouais. Elle est mariée. Bon. C'est vrai que le legacy ne précise pas qu'il est interdit de prendre une femme mariée, mais autant prendre une célibataire. Et en plus, elle est adulte maintenant. Voilà. Donc, non. Effectivement. Elle a perdu ses cheveux. C'est qui? Sarah Leroy. Non. Elle est adulte. Bon, ben, on va faire connaissance avec la demoiselle, là. Présentation amicale et on va profiter pour essayer de voir les yeux, puisqu'elle a quand même son visage à bonne forme de cheveux. Et puis, elle a l'air d'avoir de beaux sourcils. Des sourcils fins. Non! Elle a les yeux verts? Alors, elle peut être très belle, hein. Je pense que ça pourrait être... Non. Voilà. Bien, compte au cœur. Ouais. Elle a les yeux verts. Ça ferait des enfants yeux verts. Parce que je crois que toi, t'as les yeux verts ou t'as les yeux bleus. Je sais plus. Ah, c'est dommage qu'on ait plus le portrait, là. C'est comme dans les anciens sismes. Sims, ah. Je crois que je suis amoureux, les gars. Les amis. Blague. Complimenté sincèrement. On va faire connaissance. Se renseigner sur la carrière. Plus de choix. Discuter d'énigmologie. Complimenter la tenue. Illuminer la journée de... Voilà. Plus de choix, amour, demander si la personne... Aux archives de Willow Creek, bibliothécaire, cool. Plus de conversations profondes. Plus de choix, amical. On peut pas faire connaissance. Faire connaissance. Était célibataire, cool. Soigné, ben, elle a toutes les qualités. Rabibliothèque. Wow. Il me plaît de plus en plus. On pourrait demander comment s'est passée la journée. Raconter une histoire dramatique, plus de choix amical, conversation profonde. Non mais dégage toi, j'ai pas envie de te parler. Pourquoi pas partager des idées brillantes, mais je vais discuter d'une énigme logique. T'en vas pas, raconter une histoire drôle. Puis on va te relooker, mademoiselle. Et mademoiselle. En plus, t'étais bien foutue. Oh, attendez, attendez, attendez. Hé hey, elles sont jumelles. Non, je plaisante. Une autre. Toi aussi, t'es pas mal, mais t'as les yeux de quelle couleur? Et t'as les yeux marrons. Attends. Et tu t'appelles comment? Charlotte. Charlotte. Ou Juliette. Elle est pas mal aussi, hein. Ça se trouve, elle est... Par contre, ses lunettes ne lui vont pas. On peut toujours... ça se trouve, présentation amicale. Voilà. Tananiwa. Mamejo. Kaba. Fwis, fwis. Carnamu. Pimbus. Meeploy. Bajelja. Drovoy no Wangle. Yala. On va faire...
Yazub, Bimbus. Complimenter sincèrement encore. Bimbus. Complimenter la tenue. Yipsmandi. Bibba. De Arbo. Ah, Smentina. Faire connaissance. Droba. Samba Yelbs. Ah ben, elle est partie là. What's that? Nado. Bon, les amis, je crois que ce sera brillante invention. On va monter un peu complimenter sincèrement. Discuter de son intérêt. Flatter. Illuminé. Plus de choix amical. Voilà. J'aimerais faire connaissance avec la demoiselle. Conversation profonde. Plus de choix amour. Demander si la personne est célibataire. Parce que ça se trouve, elle est pas célibataire celle-là. Baroche. Enseigner sur la carrière, plus de choix amical. J'aimerais faire connaissance avec la demoiselle. Dizzy. Armo Vinia Quar. Ah, Sabao. Clana. Shuska. Délicieux, délicieux. Kabuni. Smentina. Attendez, voilà, pause. Était célibataire, d'accord. Elle travaille aussi ici, c'est nouveau. Alors, d'accord, elle est célibataire, elle travaille là, soignée, red bibliothèque aussi, copie conforme de l'autre. Il manquerait le troisième trait, red bibliothèque, soignée. Elles ont que deux traits. Attendez, ce sont des jeunes adultes, elles devraient avoir trois traits. Faut continuer. Voilà. Charlotte. Ah ouais. C'est une jeune adulte et elle a que deux traits. Ça me va pas, moi. Bon, j'en rajouterai un troisième du coup. Enfin, tout au moins. Attends, où est-ce qu'elle est? Juliette. C'est bien des jeunes adultes. Relation. Jeune adulte, ouais, c'est ça. Pourquoi elles ont que deux traits, au fait? Elles ont les mêmes traits, elles ont la même tenue parce qu'elles travaillent ici, d'accord? Ça, je veux bien. Oh là là! Qui... Oh non, mais elle peut pas se balader comme ça. Oh, la pauvre. Ben, désolée, les amis, on va la... Oh non, 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 on va se faire arrêter pour atteinte à la pudeur. Encore qu'elle se balade sans cheveux, qu'elle soit chauve ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Alors. On va la relooker. Modifier dans Cuss. Bon, je vais pas mettre toute. J'ai pas fait le code pour avoir accès à tout le Cuss. What is that? Ah, je peux en avoir. Fusure. Ah, c'est la famille dans laquelle elle vit sûrement. Thierry Durand. Ah, on sait. C'est quoi? C'est le frère. Aurélie Durand. Ah. La mère et le père. D'accord. Pourquoi elle, c'est Nado? Bah ouais, apparemment, elle a deux... Elle a un beau visage quand même. Donc, surtout une ado. Tu vas te faire arrêter pour atteindre la pudeur, mademoiselle. Start time, duration.
Attention, on me pique. Voilà. Bon, j'allais partir sur. Je suis vraiment désolée de ce petit intermède. Donc j'espère que ça ne vous aura pas trop embêté que je rejoue cette jeune inconnue. Je pense que ça va être du coup un peu plus long. En tous les cas, je vous passerai le. Je pense un peu en vitesse rapide qu'on perde le moins de temps possible cette partie relooking. Comme ça, voilà. Je pense que c'est ce que je ferai. Parce que vraiment, là, voilà. Donc du coup, nous en étions. Voilà. À l'une des deux. Très bien. Elles ont toutes les deux. Donc du coup, je ne sais point ce que nous allons faire. C'est vrai qu'elle est, elle est pas mal. Montre-toi. Toi aussi, bien que tes lunettes cachent tes jolis yeux. Elle a une bouche. Son nez est peut-être un peu trop large. Mais bon. C'est un peu bizarre. Mais elle pourrait être... Je pense que nous allons partir sur Juliette. Parce que Charlotte, elle est très mignonne, mais bon. C'était en même temps la première, voilà. Bon. Tu vas finir de discuter un petit peu et après tu iras jouer et programmer. Alors, jouer, un petit bloc. Allez, hop. Ah. Je suis quand même contente. Ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. Elle est trop belle. Oh, je suis fière de moi, je l'ai bien relookée. Bon, on va arrêter. Excuse-moi. Toi aussi, je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Raconter une blague sur les hommes politiques. Demander comment s'est passée la journée. Discuter des derniers jeux. Plater. Raconter une histoire délicieuse. Blague de TikTok qui est là. On va voir laquelle commence à aller plus vite. Mais je crois que c'est vers elle que son inclination. C'était une blague sur les seins. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es blasé? Discussion ennuyante. Oh. Après, elle est partie. Bon, bah. Ah, voilà notre amie. Attends. Mais elles sont toutes vieillies. Elle est devenue adulte, elle aussi. Ah ouais, mais depuis le temps que j'ai... Parce que j'ai joué un peu sur les autres familles, elles sont vieillies. Bon. Bah du coup, ouais, on recommence, hein. Elle est où Je crois qu'elle est partie, elle a débauché. Bah ouais, elle y est plus, à moins qu'elle soit là-haut.
Bon bah tu es avec continue avec Charlotte. T'es des ragots. So. Merca Quinofa. Yips. Frida. Come on. Oh, Dad. Bon, maintenant, tu vas. Menarla. Good joy. T'as assez. Tu vas t'entraîner à programmer. Créer un module d'extension. Grinea. Bluff. Jangan a swebla. Modifier des jeux. Voilà. Programmation, c'est ça. Allez, hop. Bon, bah, je pense que nous allons inviter. Allez, programme, programme. Nous en sommes à où? Tout juste commencé. Bon, ouais, c'est, il va devoir bientôt manger. Et là, t'en es où? Non, mais c'est pas possible. Il y a un bug, là. Oh! Lucas! Ouais, bah, je crois qu'il y a un bug. Mince! Vite, 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 pause. Alors, contrôle match C, reset, guerre. Voilà. Alors, programmer, continuer à créer un module d'extension. Enfin. Et puis maintenant, du coup, il a super faim, quoi. C'est chiant. Tout juste commencé. Ça, on a perdu gavé de temps. 25% effectué. Alors, discuter des énigmes logiques. Tu peux faire ça en même temps. Bon, bah, on verra. Hein. Il est confiant. T'as envie de manger. D'accord. Donc, tu vas. Raconter une histoire incroyable. Non, tu veux pas. Contre une nouvelle personne. Tiens. Au secours. Ça marche pas? Oh non, 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 pas présentation grossière. Non, 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 non. Présentation amicale. Voilà, comme ça on gagne des points. Parce que celle-là on la connaît. On va la saluer. Hein? Quoi? Ah, Yanavi. À entrer où? Mais il bug le jeu. À entrer où? Mais c'est quoi ce bin, ce bord? Oh, s'admirer dans le miroir, je crois que
nous allons faire s'admirer et nous allons rentrer. Parce que là, c'est tout simplement devenu pas possible. Tu iras aux toilettes, faire pipi comme un champion. Là, tu t'en fous, c'était juste histoire de rencontrer quelqu'un de nouveau. Tu oublies. S'inviter à rentrer où? C'est dingue ça, pourquoi je peux plus lui parler? Bon, hé, tu bouges? Bouge. Lucas! Mâché, reset. Non, là, il y a un gros souci. Oui, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse, j'espère que j'ai dû retaper le code. J'espère que... Bon. Tu bouges? Oh là là. Ah, so-so. Ah, Benkapa. Mais non. Je ne veux pas. Shalbo, Yorub. Tunba, Benesh, Abnol, qu'est-ce que Mufrispa. C'est que ce... Tu vas rentrer Nard, chez toi. Vite aux toilettes. Je sais pas, il bug énormément. Bon. Voilà, ça je veux pas non plus. Tu vas aux toilettes. Ah, tu fais faire pipi comme un champion. Voilà. Bon. Admire-toi. Il avait bugué et il avait pris en compte les... Il est toujours là. Non, il n'y a plus personne. Bon, alors ça, tu peux oublier. De toute manière, tu ne pourras pas le faire. Voilà. Et tu vas rentrer. Allez. Mais non, tu fais pas pipi, c'est bien, tu viens juste de faire. Oui, t'as faim, tu vas manger. Il est quelle heure? Et puis il sera peut-être pas trop tard pour que t'invites ta future colocataire. Voilà, c'est ce que nous allons faire en fait. Nous allons éviter Juliette à habiter avec nous. Bon, allez hop, tu rentres. Nous allons peut-être d'abord dormir et inviter Juliette dès le lendemain. Donc je ne sais pas où j'en suis. Je pense que j'ai perdu... hop là. Allez, oh là là, déjà. en fait, je crois que avec ces ellipses, ce temps perdu... Il va falloir que j'aille ouvrir. Alors, tu vas vite manger, ouvrir. Je crois que tu as quelque chose dans le frigo. Mais écoute, demain, tu iras à la salle de sport. Et si vraiment il n'y a personne de mieux que Juliette. Hop. T'as pas de miroir. Bon. Du coup, je suis dégoûtée. Il a fait que 25 personnes. On a perdu je sais pas combien de temps de la journée. Donc je pense que cette vidéo se terminera. Ringlar yeeds habana. Eh ben, cacahuète, bon, je suis contente d'avoir relooké. Lamis. Ben, au pire, si tu te réveilles trop tôt, ben nous irons... tu laves. Ensuite, tu iras dormir. Je ne sais pas où t'en es. 610, c'est pas encore assez. Donc, je pense que nous allons prendre en premier. Allez à Dorancar, il faut que. Il n'en avait pas fait. Ou est-ce un bug de la part du truc? Au secours. Bon, bah, t'en feras un dès le prochain rendez-vous. Si tu te réveilles trop tôt, nous irons à la salle de sport prendre une douche et à la bibliothèque terminer ta tâche du jour. Voilà. Il est quelle heure? Il est 5h49. Eh ben,
Exactement. Donc, non. Allez. Je pense que le prochain achat, ça va être une douche. Allez, salle de sport. Salle de sport. Nous verrons bien. Bon, à cette heure-ci, il y aurait moins de passionnés de sport. Je pense pas que nous allons rencontrer grand monde. Nous retournerons à la bibliothèque. Et puis bon, ben, Charlotte ou Juliette, je pense que... Vu que Juliette a les yeux verts et tout, je sais pas trop pour les yeux marrons, chocolat, bon... Après, on a les yeux qu'on a, mais bon, je préfère les yeux clairs, voilà. Donc, du coup, je pense que demander à Juliette le temps de... Ah si, bah, y a déjà quelques passionnés de sport, mais tous des mecs, en fait. Thierry Guérin, bon, il y a Dan Lotario, coucou. J. Huntington 3. Et puis, un que je. Yann Sanchez, je crois qu'en plus c'est un. C'est un. Alien. Truc chouette, Plenosas. Ouais. Et en haut, personne. Bah, tu vas aller à ta douche. Allez. Ouais, prendre une douche, tout simplement. C'est bien, il est concentré, c'est ce qu'il faut. Et après, tu iras à la bibliothèque. Attends, est-ce qu'on la connaissait, la... celle qui a perdu aussi ses chemises? Apparemment, on la connaît pas. Et lui, il est entraîneur. Oups. Non. Bon. On va à la bibliothèque. Allez, c'est parti. C'est le plus rapide. Nous allons finir notre truc et après nous allons partir en petit rencard, mais ce sera pour le prochain épisode. Donc, ben, j'aurais bien aimé trouver sa petite amie. Enfin, disons qu'on l'a presque trouvé, donc je pense qu'on va se contenter de Juliette parce qu'il faut vraiment qu'on avance là sur le legacy. Et puis bon, tout seul, c'est vrai que sans sous, voilà. Bon, les bibliothécaires, je sais pas si ça ramène des sous, si c'est juste un truc à temps partiel pour les personnages non jouables, les PNJ. Donc là, tous les ordis sont... Tu vas programmer, créer un autre module d'extension. Tu vas m'avancer ça à fond. Tant qu'à faire. Ah si, elle est là, elle. Ah bah ça y est, c'est. Bah, tu vas pouvoir continuer. Et pour pas perdre l'amitié, raconter des ragots. Dome Bachara. Fredoy. Dome Bachara. Ah. Ah bah, il y a des gens qui arrivent. Ah bah, voilà notre ami. Cool. Ça a l'air de moins buggé. 75%, génial. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Mince alors. Là, je sais pas, les amis, mais il y a un bug énorme. Il est quand même assez tôt. Après, j'aimerais bien partir en rencard avec la demoiselle, là. Yes, 37 simflouz. Et il est toujours à 75%. Bon, on va programmer. Pirater, non. Créer un module d'extension encore. Et puis ensuite, je pense qu'il aura... Bon, il finit ce module. Pour gagner un peu de sous. Cool. Donc du coup, tu vas rentrer. Non. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait un petit moment. Donc, on a rencontré peut-être la future femme de notre cher ami Lucas. Voilà. Donc, ce qui est pas mal. Nous avons terminé sa tâche du jour. Il reste 2 jours de vacances. Nous allons nous occuper dès le prochain épisode de lui faire avoir ses 2 rencarts. Pourquoi pas de demander à la Miss Juliette, si nous ne trouvons personne d'autre, de venir habiter avec nous. Peut-être pouvoir même essayer de mettre, c'est pas grave, vu qu'on sera deux, on remontera peut-être assez vite les fonds, mais pourquoi pas essayer de mettre déjà tout au moins des murs, même si nous habitons que dans une grande pièce, et même s'il n'y a pas de séparation, voilà, même si c'est un carré ou un rectangle, ce sera déjà ça. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si vous avez aimé. Et puis, abonnez-vous si vous ce n'êtes déjà fait, si vous avez aimé. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et je vous fais de très 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 gros bisous. Bye!